Bon alors, faites vite, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis quelqu'un de très occupé. Je m'appelle Philippe Bucket. Je suis le responsable recherche et développement chez KFC. KFC va mal, le marché du poulet frit est en berne. Mais vous avez qu'à faire du canard! Non, c'est surtout qu'un de nos concurrents directs, le géant du fast-food belge, Quick, et ses fameux chicken dips, est de retour. Et aujourd'hui, les jeunes, ils demandent que ça. Mais enfin, pourquoi j'aiderais KFC? J'ai jamais aimé KFC. Et puis, on paye bien. Ah ouais, combien? Alors, quelle est votre réponse? Ok, je suis partant. Mais je veux carte blanche. Et je sais déjà où mener mes recherches. Alors, bon voyage. Et vous allez où comme ça? Je pars pour Yamaguchi. Yamaguchi? Yamaguchi-ken? Merci, c'est sympa. Entre tradition et modernité, les Japonais sont très friands de nourriture bien grasse, à base de friture. Ils en consomment en quantité industrielle lors des festivals d'été sur des stands où tempura, koroke ou encore karage sont vendus pour le plaisir des passionnés de nourriture healthy. Croyez-le ou non, mais les Japonais aiment tellement ça qu'ils ont développé la coutume de se donner rendez-vous au KFC le jour de Noël. Mais comment les Japonais en sont arrivés là et à qui profite le crime ? Tout a commencé au XVIe siècle, lorsque les Portugais ont débarqué au Japon pour vendre, entre autres, de l'huile. En plongeant des crevettes ou légumes avec de la chapelure dans l'huile bouillante, le tempura était né. Plus tard, autour de l'an 1880, l'envahisseur gaulois accosta au Japon pour instruire aux autochtones l'art de la croquette, ou koroke. Il faudra attendre les années 1920 pour que se développe l'idée du karaage, inspiré de la cuisine chinoise où de l'alcool de riz et de la sauce soja sont utilisés en marinade avant la friture. Vas-y Michel, envoie les ingrédients! Alors, pour cette recette, il vous faudra du gingembre, du saké de cuisine, de la sauce soja, du miel, du mirin, donc c'est un ingrédient japonais pas trop dur à trouver, de la maïzena et de la farine, une gousse d'ail et enfin du poulet, et il faut absolument prendre des os de cuisse, j'insiste. Donc la première étape va consister à bien sûr désosser les os de cuisse, une opération très rapide. Donc à savoir bien sûr que tous ces résidus sont à jeter dans le contenant le plus proche. Dans un Tupperware, mettez 4 cuillères à soupe de sauce soja, salée hein, j'entends, 2 cuillères à soupe de saké de cuisine et 1 cuillère de mirin. Ou mirin. Enfin un petit peu de gingembre. Vous pouvez également rajouter une cuillère à café de miel et des flocons de piment dans la marinade si vous le souhaitez. Maintenant, pressez-y une gousse d'ail dans la marinade et vas-y, c'est bon, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à déguster. Enfin bref, mettez votre poulet découpé dedans et ça part au frigo pour au minimum 2 heures, mais vous pouvez le laisser une nuit entière, voire 24 heures sans problème, histoire que la viande s'imprègne au maximum.
Maintenant que ça a bien mariné, on va pouvoir sortir la friteuse. C'est de la farine. Maintenant, prenez un bol et mélangez la farine avec la maïzena en proportion égale. Selon les goûts, on peut également remettre du piment à ce moment-là. Enfin, rien de bien compliqué, on trempe chacun des morceaux dans ce mélange pour bien les couvrir. Une fois tous recouverts, il n'y a plus qu'à les plonger environ 4 à 5 minutes, mais je vous conseille de plus faire confiance à vos yeux, ils doivent avoir une belle couleur dorée. Alexa, s'il te plaît, tu peux surveiller l'huile pour moi? Mais bien sûr. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. C'est super bon votre truc. Mais du coup, vous allez en vendre chez KFC? Ah non, ça va pas du tout. On peut pas vendre ça. C'est beaucoup trop bon pour KFC.